Gaziantep, au sud de la Turquie, après un attentat à la bombe perpétré dans la nuit de samedi à dimanche par un kamikaze lors d'un mariage qui a fait, selon les autorités turques, au moins 50 morts et pas moins de 90 blessés. Cet homme, témoin de la scène, exprime ses sentiments. Nos amis et voisins étaient là. Nous sommes tristes et dans la douleur. L'attaque qui a été menée est une atrocité. Nous voulons mettre fin à ces massacres. Nous sommes dans la douleur, en particulier les femmes et les enfants. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'il est probable que les militants de l'État islamique se trouvent derrière cet attentat. Gaziantep, qui est situé près de la frontière syrienne, est connu pour abriter plusieurs cellules du groupe terroriste.